Oh là, oh là, là, ça tire là. Wow, 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 qu'est-ce qui tire? Oh là, on va éteindre la lumière. J'ai pas envie qu'on me repère. Trouver le camp du superviseur, faut toujours que j'aille vers le superviseur. Je pense que je vais essayer de suivre les quêtes au début, hein. Je veux pas trop me disperser. Salut à tous, du coup, c'est Narm de retour dans Fallout 76. La bêta, pas encore le jeu sorti. Vous inquiétez pas, on va s'en faire avec le jeu sorti. Parce que, a priori, avec Trazia et Yannick et Nico, on devrait s'en faire quelques-uns. Oula. Rad, Radfaon. Ok. Non, tu m'as l'air méchant, toi. Est-ce que je peux t'avoir par derrière? A priori, je dois avoir accès au VA des... Je sais pas quoi, là, un truc spécial. Oula, oula, oula. Pour pouvoir viser spécifiquement... Attendez. Ouh, tronc, rassemblé. Je vais vérifier. Là. Non. Comment je fais pour aller Z? Voilà. C'est pas très bien pensé, par contre, leur menu. Commande. Viser, pareil. Dégainer, recharger. Frappe puissante, Alt L. Ok. Pip-boy. SAV. Ok, c'est... SAV. Ok, c'est ça. Pas besoin de viser avec le nanin. Vos tirs toucheront la cible suivant un pourcentage. Hein. Voilà, 0% évidemment. Hein. Et si j'utilise le gun? Attends, je recharge. Je recharge, mon petit. Attends, je fais juste un test. Tu es là pour me tester. Attends. 18. 50%. Oh, oh non, 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 non. Je me suis planté de touche. Ouais, mais c'est un peu de la merde de pas viser. C'est à chier, je préfère viser, moi. Je suis un vrai. Oh, oh. Oups. Non, non, pars pas. Pars pas. Non, je fais que tirer sur toi. Oh, j'aurais peut-être dû utiliser le truc, finalement. Ok, ça c'est bon, je l'ai eu. Mmh, peau et viande. Ah ah. Pas mal. Pas mal du tout. Ok, il y a un truc là. On va les visiter. En espérant que ce soit pas des méchants. Il y a du méchant. Oh oh, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça là? Calciné. Oh oh. Attends, cueillir. J'ai vu un truc à cueillir. Il est où le truc? Là, voilà. Non, non, je suis caché. Grogne pas, s'il te plaît. Tu peux pas me voir. Je suis caché. Attendez. Et si j'allume, il me voit. Coucou, regarde. Tu vois ma lumière? Il est le méchant. Il est le méchant. Attendez. Poup dans ta tête. Headshot. Pas besoin du truc automatique. Je peux viser. Je pense que c'est bien quand on est en pleine action éventuellement, mais sinon... J'aime bien la façon dont le mec se tient avec son arme. C'est pas mal. C'est bien. J'aime bien l'animation. C'est sympa. Gousset d'or. Oh. Oh là. Oh là là, j'ai entendu un bruit. Attends, je vais me mettre là. Pour pas m'atteindre si je suis dessus. Non. Non, je peux pas sauter. Ah. Oh. Fuck. Établi d'armes. Fabriqué. Recyclé. Non, attends. Je sens qu'il y a du vilain là. Il y a du vilain dans le coin. J'ai entendu un bruit par là. Oh. Et quick. Oh. Oh. D'accord. T'es morte. Il y en avait un autre. Ah, par contre, j'ai plus de munitions. C'est pas bon, ça, il va me falloir du plomb. Ok, arme à verrou, j'ai eu. Arme à verrou, pistolet. Ça fait quoi? Dégâts. Oh, ça fait plus de dégâts. Attends, je vais le mettre là, à la place de l'autre. Poup, poup. Je sais pas si je fais bien. Tuk, tuk, tuk. Ok. Je peux pas changer pour celle-là? Arme à verrou. Ah, mais celle-là a déjà pris. Ok, d'accord. Domaine de Vixen. S'il y a encore du méchant, qu'ils le disent. Au niveau soif, j'ai besoin de boire. Est-ce que je peux garder encore ma soif comme ça? Je sais pas. Il y a une maison en tout cas, on va looter la maison. C'est toujours dans la direction du camp du superviseur. Oh, attends. Toi, t'es quoi? Ah, c'est Liquidator, c'est mon ami. Mon ami Liquidator, on est ensemble. Citrouille, tu peux prendre? Oh yes. Citrouille. Oh, il y a quand même des petites citrouilles qui sont faites, qui ont été sculptées. Ok. Oh, il y a ding ding. Ça veut dire quoi, ding ding? Ça veut dire qu'il y a du gros loot? Oh, calciné. Il y a du vilain là. On va plutôt prendre la machette à l'intérieur. Soyons intelligents. Ici, il n'y a rien. Porte fermée. Je crois que ça a déjà été pillé ici. Ah oui, il y a quelqu'un qui a violé du calciné là. Ah, il a oublié des trucs. Il y avait un magnifique drapeau américain. Ouh.
Et là, il y a quoi? Message pour Samy. Les Samaritains ne comprennent rien. On en voit chaque soir un peu plus dans le ciel. What? La confrérie les avait prévenus, elle nous avait tous prévenus. Défiance est tombée, qu'ils disaient. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je commence à être à court de ration, je vais tenter de rejoindre Abby de l'autre côté de la montagne. Les états libres doivent en savoir plus. Samy, si tu dis ce message, je retrouve à l'est de... Oh là là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça tire sur quoi, là? Ça tire sur quoi? Oh, mec, là. Attends, ça se tire entre eux? Oh, 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 j'aime pas ça. Attention. Oh, il y a du vilain. Ça fait ce bruit. J'arrive! C'est bon, je l'ai eu! Yes! Bongo! Ah bah toi aussi t'étais à côté, t'es mon pote. Attends, il y a un autre mec qui a besoin d'aide. Attends, quand je cours et que je fais pas sur le côté, ça fait une esquive? Ok, très bien, pourquoi pas. Ça va Liquidator? Ouais, c'est bon, il s'en est sorti. C'est un pur et dur. Ça va mec? Tranquille? Ouais, je sais que je peux pas te parler, mais bon, je te parle quand même. Hypothétiquement. J'ai vu un truc là. Là, tac tac. Et clé à molette. Ok. Bon, il m'a nettoyé le terrain. Ça fait pas d'XP par contre. Tu m'as tiré dessus. Je rêve ou tu m'as tiré dessus, mec? Par contre, la voiture elle va péter. Attends, attends. Aïe! Ah bah j'étais irradié, super. Hop 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 hop. Je me casse. D'accord, les voitures ça irradie. Utilisez du Rad Away pour vous soigner. Bon, ouais, pour le moment ça va, j'ai pas mal de vie. Pas besoin. Ciseaux. Ok. Je me demande si le loot... si vous le savez d'ailleurs, dites-le moi. Si le loot est unique pour chaque personne ou si c'est partagé. Ce qui voudrait dire du coup que lui il peut looter des trucs. Est-ce que je peux lui piquer le loot avant qu'il les récupère? Ok, j'ai récupéré quoi? Des pièces? J'ai récupéré la monnaie in-game? Je sais pas, je suis perdu. Beaucoup de questions se basculent dans mon petit cerveau. Mon petit cerveau tout petit, tout minuscule. Bon, on va regarder un peu les munitions. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, ça. CND, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la durabilité, peut-être? Cadence de tir 3. Cadence de tir 60. Ah, il a une meilleure cadence de tir, c'est pour ça. Je vais garder le pistolet, quand même. Arme de verrou de fortune. Ouais, je pense que le tuyau pistolet est mieux. M'est avis qu'il est mieux. Non. Données, on va rester sur principal. Et objet, c'était dans note holo. Seigneur de Nuka. J'avais pas vu ça, tiens. On va regarder plus tard. Ah, mais je l'ai pas prise la note. Merde, faut que je retourne en arrière, faut que je la prenne. Ah, ah, parce que si on veut avoir les informations pour plus tard, ce serait mieux. Oh oh. Oh oh. Attends, il y a des trucs là. Ouais, crayon. Hop, moi je prends tout. Le crayon, le papier, le PQ. J'espère qu'ils ont pas repop à l'intérieur par contre. Non, c'est bon. Ok. Je vais prendre le truc. Prendre. Voilà, c'est bon, j'ai pris. Ok, let's go. Là, il y a des trucs. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On va se casser. Les calcinés, ce sont des gens qui sont morts après les premières bombes. J'imagine. Je vois que ça comme explication. La seule plausible explication. Sinon ils se sont cramés. Ils ont vu l'affaire du monde, ont fait adieu monde cruel. Rabiche niveau 4. Radfaon. Alors toi je pense que t'es... Tu me pètes le cul si je viens sur toi. Non. Je suis gentil. Ah mais attendez, j'ai plus de munitions moi. Je suis mal là. Je crois qu'il faut que j'atteigne la superviseur. Je suis sûr et certain qu'elle aura des trucs pour que je puisse craft un peu. Non? Maybe. On va peut-être rester sur la route. Ça a l'air d'être tout droit là. C'est quoi ça? Non. Dégage le chien. Oh! Non, vous êtes trop nombreux les mecs. Trop nombreux. Allez. Crève. Ah. J'ai l'art de l'esquive. Voilà, tiens, boum! Dans ta tête. Chien errant. Ok, d'accord. Eh ben, vous m'avez pas fait chier longtemps, les mecs. Je suis trop fort pour vous. Je sais parer. Je sais vous donner des coups. Je sais tout faire. Et après tout, j'étais dans l'abri 76. Le meilleur abri au monde qui soit. Le plus joyeux, le plus chaleureux. Et le plus festif. Ok. Y'a quoi là? Y'a rien.
Oh, là, il y a peut-être un truc. Voilà, nickel. On va tout looter, tout. Ah bah c'est là. Elle est là. Elle est là, la copine. Copine. Non, c'est pas une copine, ça. Corps du superviseur. Ok. Journal du superviseur. Journal du superviseur. Sud de l'abri 76. Je savais que je ne retrouverais pas les appalaches de mes souvenirs, mais... Des animaux mutants. Des robots détraqués. Et jusqu'ici, pas âme qui vive. Nous devons nous tenir prêts pour reconstruire dans ce que je confirme être une région hostile. Heureusement, Voltec était prêt. Ok. Vous voyez ça? Un poste de cuisine, une caisse de matériel, des ateliers. Ah, ils vont nous en prendre à crafter. Tout a été construit avec le camp. Il vous faudra une base dehors. Le centre d'assemblage et de montage portatif est conçu pour vous assister dans cette tâche. Vous n'aurez besoin que de ressources, de planification et d'un peu d'huile de coude. Si vous déplacez votre camp, tout ce que vous aurez construit sera stocké et prêt à être placé dans une nouvelle zone. Utilisez cette fonction pour vous établir rapidement dès que vous êtes en territoire inconnu. J'ai laissé mon camp derrière moi pour que vous puissiez l'utiliser. Je sais que je ne suis pas mes propres conseils en l'abandonnant. Mais après avoir vu l'état des Appalaches de mes propres yeux, il faut que je sois sûr que chaque résident de l'abri 76 puisse profiter d'un campement de base sûr. Je me débrouillerai sans. Nourriture, ah, yes. La ville de Flatwoods devrait se trouver au bout du chemin. Du moins, si elle existe encore. Vous me retrouverez là-bas. C'était votre superviseur. Terminé. Ok, je peux en faire autant que je veux, là, des trucs. Yes, j'espère que ça perd pas en... Je peux les garder indéfiniment, par contre. On va se faire ça. Ok, quitter, oui. Attends, du coup... Ah, il faut que je boive, par contre. Aide au purifié. Glouglou. Glouglou. Ok, je suis à fond. Côte de chien. Nanana. Blackwater Stew. Rat steak grillé. Ok, d'accord. Est-ce que ça se fait marche PV, charge maximale, vivre 20%. Ok, d'accord. Steam pack. Ok, donc dans tout ça, je vais pouvoir mettre des trucs en raccourci. Je pense qu'à force, il va falloir que j'apprenne à le faire. Sinon, ça va être très très long. Et là, j'ai récupéré une magnifique protection de jambes qui me protège que le genou gauche. Cool. Armure légère. Ah, je peux me faire ça. Ah, ouh. Ok. Plastron en cuir. Brassard. On va se faire un plastron en cuir pour protéger mes tétons, déjà. Niveau 1, confectionné. Très bien. Ensuite, jambière gauche, jambière droite. Attends, gauche j'ai. Donc, faut faire droite. Touc. Ok, j'ai bien fait de récupérer du cuir. Brassard gauche, brassard droit. 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 D'accord, et gauche. Ok, donc normalement c'est bon. Oui, oui, je veux quitter. Alors, on va y voir. Tuc. Je peux m'équiper de tenue. Gauche. Combinaison droit. Et plastron en cuir. Comme ça, je suis protégé jusqu'au... Ah mais non, mais même pas, les tétons sont même pas protégés. Sérieusement, c'est pas du travail ça les mecs. Franchement. Oh. Attends, arme de contendant. Arme de corps à corps tranchante. Oui. Arme de fortune. Couteau de lancer. Couteau de lancer, ça peut être pas mal, mais il me faudrait plutôt des munitions. Pistolet à seringue. Ok. Revolver de fortune. Mais j'ai déjà un bon flingue, pourquoi je me ferais un autre truc? Non. Je vais garder le matos, par contre il me faudrait vraiment des balles. Ça c'est le problème. Et la machette a priori, ouais je vais quitter. Pourquoi je suis obligé de fabriquer une arme? Ah oh, bordel. Bon bah, je vais me fabriquer une arme tranchante. A priori c'est ce qui est le plus utile je dirais. Couteau de combat rapide, moyenne. La machette c'est pas mal. Machette ou hachette? Machette, j'aime bien la machette. Allez c'est parti. Voilà, magnifique, j'ai perdu mes trucs juste pour faire ça, pour avoir le truc qui valide que j'ai bien pris le... J'ai bien crafté. Ça me fait de l'XP au moins, toujours ça. On va continuer. Trouver le superviseur à Flatwood. C'est dans cette direction. Alors voyons voir, attendez.
Qu'est-ce qu'on a? On a déjà du monde, et Flatwood, c'est là. L'autre, il avait pas parlé de Flatwood à la radio, d'ailleurs. Attendez, radio. Radio... Quand ça mérite un. Allez, dis-moi tout. Aptitude? Ah oui, c'est ça. Okay. Salut à tous, ici Jeff Nakamura, des Samaritains. Nous avons établi un camp à Flatwoods et offrons du matériel, c'est des ça. Médicaments et un entraînement à la survie à quiconque en aurait besoin. Ok. Vous nous trouverez dans l'église en face de la taverne de Flatwoods. Et si vous pouvez donner un peu de votre temps pour nous aider, ça ne sera vraiment pas de refus. Ok, je d'accord. Je répète. Ouais, c'est bon, on a compris. Eh ben écoutez, on va se mettre un peu radio Appalaches en attendant d'y aller. Un peu de musique pour nous balader en même temps. Pour nous mettre de l'entrain. Hop là, ça c'est quoi? Œuf de... What? De rapseur, rap de deux? Ok. Je vois quoi c'est ça. C'est pour manger peut-être. Attendez, je découvre, hein. Pardonnez-moi. Je découvre totalement. Œuf de rat scorpion. Rat scorpion. Est-ce que je peux le faire pousser l'œuf? Pas le faire cuver et avoir un petit scorpion après. Je serai sa maman pour la vie. Eh bien la musique. Ah bah. Bon, j'espère que ce sera varié, qu'on n'aura pas tout le temps la même par contre. Sinon ça risque d'être redondant. Il y a une maison là-bas. Il y a une maison. Allons-y. J'y fonce. J'y vais. Par contre on va arrêter la radio parce que je vais avoir besoin d'entendre s'il y a du monde. C'est toi la radio. Voilà, un peu de silence. Tu nous casses les oreilles, déjà. Ça fait que 2 secondes, je sais, mais... Tu casses les oreilles. Oh, oh. Renard. Je suis caché, le renard. Tu ne me vois pas. Ah, petite musique. La musique du trailer. Activez camp. C'est le camp qui fait ça? Radio. Cache. Les objets déposés dans une cache sont accessibles dans toutes les caches du monde. Ah, d'accord, ok. Donc ça veut dire, ah c'est un joueur qui a dû faire ça, d'accord. Et il a fait une radio. Ok, cool. Du coup ça veut dire que quand on met nos affaires dans une cache, les autres peuvent pas la voler. Et nous... Attention, pourquoi y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Ils sont où les vilains? C'est quoi ça? C'est un méchant? Mister Farmhand? Ok. Bonjour monsieur Farmhand. Qui es-tu? Visiblement il y a quelqu'un d'autre là-bas aussi. Est-ce que je peux te taper pour récupérer des choses sur toi? Je suis caché. Tu ne me vois pas. Est-ce que je peux... Je suis détecté? Alors visiblement non. Ah tu m'attaquais pas. Ok, il s'est laissé faire. Je l'ai tué, je me sens un peu mal de l'avoir tué du coup. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, les caches... Ah oui, c'est des chiens. Ce sont des chiens. L'arme. Pistolet. Boum. Dans ta tête. Attends, l'autre, par contre, vient de battre. Aïe. Ah. Il m'a quand même touché, l'enfoiré. Du coup, dans les coffres, on pourra... Même si c'est d'autres joueurs qui ont construit le truc, on pourra récupérer nos affaires dedans. C'est pas mal. Et nos trucs sont protégés. Mais ce qui veut dire que les joueurs, par contre, on peut pas voler des trucs, c'est les autres joueurs. A priori, en tout cas. Ok, il y a encore du monde, là. Est-ce que j'ai des moyens de vérifier s'il y a du monde dedans? Avec des jumelles spéciales ou... Des vitamines qui me rendraient plus omniscient. Attends, boire. Oh, je peux boire de l'eau. Récupérer de l'eau. Oh merde, j'ai été irradié. Merde. J'ai été irradié, fuck. J'aurais pas dû en récupérer, par contre. J'ai de l'eau irradiée sur moi. Je peux peut-être la purifier du coup. Attendez. Purifier eau sale. Ouais, merde. Va peut-être falloir que je la purifie. Ampoule. Ok, une ampoule. Chouette. Casserole. On peut vraiment tout récupérer, hein. Tout et n'importe quoi. Comme dans les autres Fallout, hein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Refuge de Green Country. Mais dis-moi, on n'est pas encore... Ah si, on arrive. On arrive, normalement, c'est par là, je crois. C'est quoi, ce domaine de Wixon? Ah, après, ça nous indique les choses. Camp de superviseur. Ok. Ça fait un peu comme dans... merde.
paquet de cigarettes. Comme dans Parost, non, DayZ. On rentre dans les supermarchés. Putain, ça c'est du rat. Je suis pas là, Laura. Je suis caché. Je ne suis pas là. Non, 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 tu m'as pas entendu. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là, oh, niveau 1. Ah, c'est un opossum, c'est bon. Niveau 1, je lui pète le cul. Oh là, boum. Et j'ai pris un niveau encore. Ça va vite. Cool, tant mieux. Tant mieux, j'avais peur de passer 3 plombes à arriver niveau max. Ça va aller vite. Ou pas, en fait. Ça va vite maintenant, mais bon. Ça fait déjà une heure que je joue, mine de rien. Radio. Note. Ah, attendez. On a trouvé quelque chose. Données. Prenons le temps pendant que les mecs passent à côté de nous. En espérant qu'ils me tuent pas, le mec. Attends. Holo, note. Note sur les sessions de musculation, je crois que c'est ça. Shriek. Ah, c'est sympa les animations. Session bras. 3 séries de 12 répétitions. Voyons ça. Biceps avec halter. Ah bah il en est mort. Et extension lombaire. L'équipement est franchement pas top. Bah, mais c'est pas grave. C'est parti. Plus que 8 cercueils de luxe pour atteindre le quota Flagadawood. Enfin, Flagadawood. Flatwoods. Ce sera difficile compte tenu de la situation financière dans le coin. Il suffit juste que je leur rappelle nos amis les Chinois. Et je serai de retour à Ipswich en moins de 2. Ah, j'en conclus que ce sera développé couché aujourd'hui. Ça tire là à côté. Je suis tout nu. Me tire pas dessus. Je suis gentil. Pourquoi tu veux me tuer? Pourquoi tu veux me taper, mec? Pourquoi tant d'agressivité? Je viens d'arriver. Pourquoi tant de haine? Tu vois bien que je suis tout nu. Ça veut dire que je suis quelqu'un de gentil. C'est évident. Qu'est-ce qu'on a ici? Il a même pas looté les trucs. Il est con celui-là. T'es parti sans looter, mec. C'est pas grave. Je le fais à ta place. Je suis généreux comme ça. Alors. Et là, ils ont tous cramé, les mecs. Il était dans sa piscine tranquille. Et puis, ça a grillé. Si je saute dans la piscine, j'imagine que ça doit être radioactif. Et non, on ne voit pas. J'ai cliqué sans faire exprès. Merde, 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 merde. C'était la mauvaise idée. Distributeur. Y'a rien. On m'a menti. Bon bah tant pis. Est-ce qu'il y a 88 mètres? Oh, on est pas loin. On va courir. Brochette d'écureuil. Mais non. Petit écureuil. Il n'a rien fait, il a rien demandé à personne. Ce qui veut dire qu'il y a du méchant, Flatwood. Du méchant. J'ai entendu. C'est qui? C'est l'autre? Il y a des radios partout par contre. Les radios ont pas cramé, hein. C'est le seul truc qui a pas cramé. Ça résiste aux radiations. Bonjour monsieur. Histoire de survivant. Dis donc, toi t'es. Super. Salut. Survivant de ce trou à rats. Je m'appelle Sophie. Et voilà ma stupide histoire de survivant. Ouais, et t'en es morte. Comment j'en suis arrivée là? Oui. Qu'est-ce qui tire comme ça là? Avant les bombes, j'étais bibliothécaire. Et maintenant, je peux lire tout ce que je veux tout le temps. Super, trop génial. Ouais. Quelle chance, hein? Il n'y a plus personne. Humide. Peut-être que je travaillais dans l'une de ces fermes qui se préparaient depuis des années pour la fin du monde. Un de ces troupeaux paumés religieux. Ouais, voilà. Non. Non, ça y est. La vache. J'étais une gentille petite fille. S'est nourri de boîtes de nourriture pour chats dans un supermarché pendant des mois, à côté des corps en décomposition de mes parents. Sympa. Personne n'est venu. Personne. J'ai dû apprendre à gérer ça toute seule. Vous devriez, vous aussi. Les Samaritains, c'est que des conneries. Plus personne n'aide les autres de nos jours. Faut s'y faire. Ok, donc ils ont mis une radio, mais ça sert à rien. Si vous reste une once d'intelligence, partez d'ici avant que les Samaritains ne vous fassent tuer. Oh oh. Laissez les malades derrière vous. Ok. C'est mieux comme ça. Faites-moi confiance. Je devrais peut-être pas les aider. Les bébés Blanchard peuvent rester derrière et continuer à croire. Mais tous ceux ayant encore un cerveau en état de marche iront se réfugier dans les montagnes en laissant les poids morts derrière eux. Delbert a déjà essayé de m'arrêter.
journal du superviseur, ville de Flatwoods. Mon Dieu, il n'y a personne ici. Oui, c'est vide. L'ancienne taverne, l'église, les gens s'en servaient comme abri, mais il n'y a plus personne. On s'attendait à des mutations, mais il s'agit de quelque chose d'autre. D'une maladie. Volontaire. J'ai été attaqué par... Je crois qu'avant, c'était une personne. Mais elle présentait des lésions vertes et scintillantes. Et sa voix, furieuse, torturée. On est un. Un quoi ? Ce qu'il s'est passé ici dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Et pourtant, on a imaginé l'inimaginable. D'accord. C'est tout ce que t'as à dire ? Les survivants du coin... se faisaient appeler les Samaritains, avant qu'ils se fassent décimer. Ah. Un groupe composé de pompiers, de policiers, d'urgentistes, donc il n'y a pas de PNJ. Ils avaient même un système automatisé pour apprendre aux gens à traiter l'eau, à cuisiner. Et même une radio automatisée pour nous ramener dans leur piège. N'oubliez pas l'entraînement de l'abri. La survie d'abord. Je remplis leurs tests, et vous devriez faire de même. Ok, d'accord. Bon, je suis désolé. Je sais que la situation est bien pire que ce que l'on pensait. Mais quelqu'un doit localiser ces silos à missiles et trouver le moyen de les sécuriser. Les Samaritains sont la meilleure piste que nous possédons. Quand j'en aurai fini ici, je reprendrai la route. Ah bah oui, bien sûr. Chercher mes journaux. Je vais partir devant et partager tout ce que je trouve. Ok, d'accord. C'était votre superviseur. Terminé. Mais elle est debout depuis plus longtemps que nous. Ça fait quoi, 10 ans qu'elle est encore debout ? Samaritain, la base de données est maintenant verrouillée. Seuls les Samaritains et les volontaires pourront y accéder jusqu'à ce que les choses se calment. Il s'agit d'une simple précaution en attendant que tout se tasse et que nous puissions reconstruire notre grande nation. Je viens de la mettre à jour avec des informations supplémentaires concernant les provisions que nous puissions... pour que nous puissions distribuer les ressources aux survivants qui restent lorsque nous reviendrons. Oh merde, il y avait une suite. Je viens de voir en la prenant. Attends, elle est où ? Note. C'était où ? Attends, plan... Ah, d'accord. Faut que je lis ça. Pompe à eau. Oh, ok, cool. Mémo. Voilà, suivant. Delbert et Keisha se sont portés volontaires pour s'occuper des survivants. Ok, d'accord. Il n'y avait rien de... Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Reconnaissance de la mine. Jeff, j'espère que tout se passe bien à Flatwood. Je voudrais te faire part d'une idée. Si nous avons assez de personnel disponible, j'aimerais envoyer une équipe dans la mine de Golé. Ils y creusaient à l'explosif avant la guerre et s'il y a encore de la dynamite là-bas, elle pourrait nous servir. Je sais que tu es très occupé avec le programme de volontaires, donc c'est à toi de voir. Ce serait intéressant qu'on aille faire un tour à la mine, je pense. Prendre. Ok. Pour le moment, je prends un peu tout ce qu'il y a. L'imprimante. Ok, c'est juste ça. Rapport d'assainissement. Testeur, candidat volontaire colonel. Présence de germes élevée. Je crois qu'il en est mort. L'eau est propre à la consommation, mais on est longuement bouilli. Ouais, je crois qu'il va falloir qu'on la boue. Ah, on a eu la... Attends, on a eu le truc sur la carte ? À la grotte. Ils viennent me mettre. La grotte, elle est où ? La grotte, elle est où ? Il vient de me dire qu'il avait mis à jour la grotte. Siri de Gilman. Elle est loin, la grotte ? Il m'a dit qu'il avait mis à jour la grotte. Non. Attends, ça, c'est l'abri. Bah non, j'ai pas l'impression qu'il m'ait mise la grotte. Qu'est-ce qu'il me raconte là ? Il me raconte n'importe quoi. Il me raconte de la merde. Il m'a menti. Social. Ah d'accord, on voit tous les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, dis donc. Sur la map. Il me semblait que ça devait être moins que ça. On devait être genre une douzaine ou je sais pas quoi. C'est ce qu'ils avaient dit, je crois, hein, il me semble. Assistant, tiens. Histoire. On l'appelle la Grande Guerre maintenant. Elle n'a pas duré longtemps. Et le théâtre a été sanglant. Bienvenue dans Récits de survivants. Je suis Dassa Ben Ami, Samaritaine. Je travaille avec les Samaritains depuis 2 ans maintenant. Je suis originaire de Charleston, donc je n'ai eu aucun mal à intégrer le groupe. Atelier de chimie. Le boulot n'était vraiment pas une partie de plaisir. Reconstruire les Appalaches pierre par pierre, alors que des survivants nous rejoignaient régulièrement d'un peu partout. La plupart n'ont fait que passer, sans raconter leur histoire. Sans graver leur nom dans la mémoire collective. J'ai pensé que nous devions conserver ces tranches de vie. J'ai demandé aux gens d'enregistrer leurs pensées, leur vécu, tout ce qu'ils veulent transmettre à la postérité. J'intitulerai cette série « Récits de survivants ».
Je vais commencer par moi. Ça va ? J'étais étudiante en anthropologie à l'université Voltec. En master. J'allais imprimer mon mémoire quand j'ai entendu les sirènes. J'étais persuadée que mon père, un employé de Voltec, nous emmènerait tous. Mais nous n'avons reçu que deux réservations. J'ai refusé de partir. Il est allé dans l'abri avec mon petit frère. Ils ont bien essayé de me persuader, mais en vain. J'ai fini par les pousser à l'intérieur, et c'était réglé. Après ça, je suis rentrée à Charleston. Et ben, j'ai survécu. Le groupe des Samaritains a fini par se constituer, et je me suis enrôlée tout de suite. On en a bavé. L'inondation a tout dévasté. On s'est installé à l'aéroport de Morgantown, et maintenant à Flatwoods, qui est... disons... enfin... je reste optimiste. Aéroport, c'est peut-être celui-là. Je fais partie des effectifs depuis... je ne sais pas... deux ans. On a de grandes idées. On peut faire tant de choses pour avancer. On pourrait même... pourquoi pas... reconstruire assez pour vivre une vie normale. Et entre-temps, je continuerai d'enregistrer mes histoires de survivants, quand je le pourrai. L'histoire, c'est... je suis Dassa Benami, et je vous dis à bientôt. Eh ben à bientôt, écoute. Intéressant les histoires, donc du coup, on n'aura pas les PNJ, mais on aura les histoires des personnes à travers donc ces petits trucs audio et puis les... différents documents. Buzz Yates, patient admis à 21h pour des crampes à l'estomac, a bu plusieurs litres d'eau sale, prétend en aimer le goût terreux. Le patient subit un inconfort intestinal extrême, une faiblesse généralisée, confus. Je peux comprendre, je pense qu'il a dû avoir très très mal. Remarque, le patient était trop faible pour survivre à une simple chute de son lit. L'ingestion d'une quantité élevée d'eau sale a considérablement réduit sa force physique en raison des dégâts intenses causés par les radiations et par la maladie. Sa mort n'est pas due à cette affection mais à une blessure simple. Charmant, sympa comme tout. Je pense que je dois pouvoir les recycler donc hein. je prends un peu tous les documents. Toi, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est interagir. Fantastique de revoir des êtres humains en vie. Eh ben écoute, je suis content aussi d'être là. Attends, donc toi, on peut échanger des trucs et te vendre des trucs et acheter des trucs. Ok. Maillot de corps et jean. Ah, c'est pas mal ça. C'est ce qu'il me faut pour changer vêtements de fermier. Non, moi, je vais avec prendre ça. Un peu de bon sens. Les 55. Et de chance. Est-ce que je peux te vendre des trucs? Très bien. Amador. Valeur 1. Tout est 1. Merde, attends, j'ai vu qu'il y a un truc qui valait 2. Ah, la combi. Ouais, mais attends, t'as vu tout ce que je dois vendre pour pouvoir avoir le... eau purifiée 2, daddy eau. C'est quoi ça? Ah, c'est du soin. C'est fantastique. Non, de je vais garder. Des êtres humains. Oui, je sais, tu es content de me voir, oui. Pâté pour chien. Pâté pour chien, je peux peut-être lui vendre. Non, il y a des trucs, attends. Serre grillée, reconnaissance, ouais. Pour le moment, on va garder les trucs, hein. J'achèterai plus tard, quand je serai riche. Pour le moment, je suis pauvre. Avec un peu de bon okay. sens. Capsule. Eh, hey, on peut trouver des capsules en plus. Gratos. Analyse, alors... qu'est-ce que c'est ça? Terminal de diagnostic. Terminal... accès refusé. Ce terminal est réservé aux Samaritains, volontaires et. Nanana. Si vous désirez rejoindre le programme de volontariat, veuillez vous adresser à Dassa Ben Ami. Vous inscrire sur un kiosque en libre service. Rejeté. Éjecter Lolo, ok. Équipement. Assez refusé. Assistance charger l'holoband. Ah, je peux charger d'autres holobandes. D'accord, ok. Programme de volonté. Voici ma première interview avec une autre survivante, Keisha McDermott. J'étais en train d'essayer de forcer un distributeur de New Coca-Cola. Ok. On verra plus tard ça. On va regarder plus tard. Ok, d'accord. Je pouvais récupérer le truc. C'est tout ce que je voulais savoir. Atelier chimie. Qu'est-ce que je peux faire sur l'atelier chimie? Poche de sang, steampack dilué, munitions, je peux pas faire. Poudre à canon, c'est comment? Tissu acide. Ok. Je peux pas faire. Guérison. Poche de sang. Antiseptique sans diode. Eau purifiée. Ah mais attends, l'eau purifiée, j'en ai besoin. Je vais peut-être plutôt faire poche de sang. Confectionner. Voilà. Ça me fait toujours du remède. J'en ai sur moi. Munitions. Quitter. Ok. Malheureusement, du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On n'aura pas beaucoup avancé, mais il y a énormément d'histoires à assimiler. Merci à tous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à partager avec vous abonner et me laisser un commentaire. On se retrouve la prochaine fois. Ciao !